Hier soir, j'ai pris une grande décision. Cette décision, il faut que je m'y tienne sans faiblir si je veux un jour recommencer à me sentir un homme. Un homme à part entière. Avant de me coucher, je buvais un verre et l'idée m'est venue soudainement. Je décidais d'exiger de ma femme qu'elle consente au divorce. Oui, exiger. Il faut que je sois ferme et intransigeant. Ou alors, tout sera perdu et je n'en aurai plus jamais le courage. Cette issue est inévitable. J'en prends maintenant conscience. Je le savais depuis le début même de notre mariage, il y a 6 ans. Ce point crucial n'a été que longuement retardé. Être le mari d'une femme plus forte que moi, plus forte sur tous les plans, n'est pas seulement une chose intolérable. Peu à peu, cela a aggravé ma faiblesse, mon désespoir. Véritable athlète, elle me bat sans difficulté au golf. Elle marche mieux que moi. Elle conduit mieux notre voiture que je ne pourrais jamais l'imaginer. Imbattable sur tous les terrains, elle m'écrase au tarot. Tout comme aux échecs. Même au poker. Jeu auquel elle joue comme un homme. Et pour tout vous dire, elle est bien meilleure que moi dans la chambre. Il n'y a pas eu une échappatoire pour moi, moi qui étais malmené et mis en déroute au long des années de notre malheureux mariage. Il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de Laura, douce et adorable petite Laura, notre fille au père qui vit chez nous depuis une huitaine de jours et qui est tout ce que n'est pas ma femme. Petite Laura, fragile et légère, adorablement éperdue et féminine. Je suis follement amoureux d'elle et je me rends compte qu'elle est mon salut. Marié avec Laura, je pourrais redevenir un homme. Je redeviendrai un homme. Et elle acceptera de m'épouser, j'en suis sûr. Il faut qu'elle m'épouse. Elle est mon seul espoir. Cette fois, il faut que je gagne. Quoi que ma femme puisse dire ou faire. J'ai le trac. Le trac à l'idée de la scène à venir avec ma femme. Laura a déjà pris son petit déjeuner, elle est partie faire un tour. C'est moi qui lui ai demandé de partir pour pouvoir te parler en tête à tête. Parfait. Elle a donc vu et compris ce qui se passe en moi, et elle me rend les choses plus faciles en amenant elle-même la conversation sur le sujet brûlant. Je comprends, il faut que nous divorcions. Je sais que ce sera un coup très dur pour toi. Mais Laura et moi, nous nous aimons et on va partir ensemble. Et merde. Thank you.
et on va partir ensemble. Et merde.